Don't be afraid, Kurt. I am not a figment of your imagination. I am a microchip implanted in your teeth. My purpose is to guide you to the lab where the deadly virus infecting mankind was created. Don't listen to that bitch. She will lead you to hell. Kurt, you must go through the red door. Morag, I told you. Welcome to hell. Kurt, it appears that a fallibility has been committed within the confines of my databases. However, be not disconcerted, for we shall arrive on time. Kurt, allow me to introduce you to the Augmentation Room, a highly specialized simulation chamber designed for training military personnel to navigate unexpected scenarios. You currently find yourself immersed in a meticulously crafted virtual environment, an authentic replica of Istanbul's illustrious Topkapi Palace. Within these digital walls, you'll confront zombie soldiers patterned after the formidable Janissaries. The brilliant mind responsible for this simulation drew inspiration from the Janissaries' historical military might, aiming to evaluate the mettle of soldiers and their weapon skills within this demanding backdrop.
Don't be afraid, Kurt. I am not a figment of your imagination. I am a microchip implanted in your teeth. My purpose is to guide you to the lab where the deadly virus infecting mankind was created. Don't listen to that bitch. She will lead you to hell. Kurt, you must go through the red... Kurt, you have found yourself within the ominous confines of Hellmart, a once vital supply station for the rebels, now consumed by an unrelenting zombie horde. This place, which was once a sanctuary for the living, has been transformed into a macabre battlefield of the undead. Your every step through these darkened aisles is a journey through a twisted, nightmarish version of a familiar setting. Be exceedingly cautious, for the shambling horrors that now occupy this space will stop at nothing to end your existence. Your mission here is not just about survival, but about reclaiming this vital outpost for the rebels and potentially uncovering essential resources to aid your quest. Stay alert, Kurt. For Hellmart is a place where the living struggle for their place amidst the walking dead. Kurt, hold your fire. These idle zombies don't appear to pose an immediate threat. It's best not to instigate any potential danger they might harbor.
Kurt, as you enter the metro station, this place exudes an eerie chill that would unnerve even the bravest souls. It's clear you are not alone in this unsettling location. What you must understand is that this metro houses a unique breed of zombies with a disturbing ability. They replicate through a process known as mitosis. This means their numbers are growing with each passing moment. In this nightmarish environment, your survival skills will be put to the test more than ever. Every move you make must be measured, calculated, and swift. For the stakes are high, the very essence of your humanity teeters on a precipice in this grim labyrinth, and the consequences of your actions could be profound. Stay on high alert, as each step here could be your last, and every decision may shape the fate of your soul. Thank you.
hurt. The chaos that ensued was swift and devastating. Local authorities struggled to contain the outbreak, but the virus spread like wildfire, leaving large swaths of the city in ruins. The once vibrant streets and neighborhoods now teem with these zombie creatures, and the city fell into disarray. Our attempts to understand the outbreak are ongoing, but the scale and speed of this disaster have left us grappling with the consequences. Eh bien bonjour et bienvenue sur le jeu. Alors je pensais pas du tout que le jeu était pas mal, en fait. Enfin, je pensais pas du tout, c'est pas ça que je voulais dire, mais... Je pensais pas que j'allais mettre mon micro on pour dire il m'étonne ce jeu. Franchement, pour le prix, vous allez voir le prix, je crois qu'il est à moins de 3 euros en plus. C'est pas mal. Voilà, j'ai vu vraiment moins bien pour un prix beaucoup plus élevé. Alors que là, honnêtement, il y a du gameplay. C'est un peu... comment dire, un petit peu avec ces portes on accède à d'autres zones. C'est un petit peu surprenant, mais c'est pas du tout déplaisant. C'est plutôt pas mal comme truc. Le principe, d'accord, c'est on voit très bien qu'il y a de l'asset ou ce genre de choses, mais peu importe, le gameplay est pas mal du tout. Le gameplay est pas mal. J'ai apprécié les zombies, le fait de pouvoir les tuer, les frapper et pas les tuer, et qu'en fait ils se rangent à nos côtés en fin de compte. J'ai apprécié. Tiens, on dirait du Half-Life là. Le personnage est pas mal du tout, et je trouve que ça change un peu des stéréotypes qu'on a que l'on a en personnage. Et je vais arrêter la vidéo là bien sûr, mais je trouve que c'est pas mal du tout, je vous le conseille. Voilà, j'ai reçu le jeu directement du développeur, je le remercie, parce que il a quelque chose, ce jeu a quelque chose, voilà, de sympa, et j'apprécie vraiment les éclairages, l'ambiance, la difficulté aussi. Alors si je le frappe, puis par contre je sais pas s'il vient avec moi, ouais, je vois, faut le frapper ou pas, est-ce qu'il se bat à mes côtés? Ah, je peux pas le... J'ai pas pu le frapper. Faudrait que je regarde si je peux frapper un type. Pour voir si... Est-ce qu'il y a que les zombies ou est-ce qu'il y a les soldats aussi. On va aller voir. C'est quoi? C'est des soldats, ouais. Je sais pas s'ils se battent. Non, on peut pas. Les soldats, on peut pas. Ok. Vous avez vu qu'il y a différentes armes, il y a une arme qu'on pourrait un petit peu un lance-grenade, il y a une hache aussi, on a vu au début. Alors la porte rouge était effectivement difficile, donc j'ai bien compris qu'il fallait que je prenne la porte bleue. Voilà, la porte blanche, je pense que c'est des portes de sortie. Voilà, mais je trouve le concept assez bien. Voilà, d'ailleurs si les portes vous plaisent, il y a un film qui s'appelle... un film avec Matt Damon, L'Agence, qui est un film où en fait les personnages traversent des portes. Voilà, et se baladent comme ça dans le monde. Et je vous le conseille, voilà. Si vous n'avez pas vu L'Agence, le film, je vous le conseille. Voilà, quant à moi, je vais vous laisser là, je vais arrêter le jeu là. Je remercie vraiment le développeur parce que franchement, je m'attendais pas à un jeu avec un petit gameplay comme ça. Il est pas dégueu. Voilà. Ok, y a pas, c'est pas voilà, mais honnêtement, bien. Voilà, j'ai un bon avis sur le jeu. Y a pas de souci là-dessus. Je ne le connaissais pas hein, le jeu, hein, donc j'aurais pas été le voir si on me l'avait pas envoyé. Donc encore une fois, merci au studio. Et voilà, Moonstar Games, donc merci à eux. Et on se laisse là.